Le kickboxing est un sport de combat appartenant aux formes de boxe pied-point. Né aux États-Unis dans les années 60 et 70, cette pratique est un art martial pratiqué au Congo en général et plus particulièrement à Pointe-Noire, où un gala de kickboxing a été organisé dans sa toute première édition, à l'endroit des kickboxeurs pratiquants, en présence des autorités départementales. Après les différents mots d'usage, la soirée a pris corps dans les catégories des moins de 61 kg, de 75 et de 81 kg. Tous ont mis à profit les techniques inhérentes à ce sport d'origine américaine. Il faut vraiment bosser pour être au point vraiment. Moi, si j'ai fait au moins un petit spectacle, j'ai une petite expérience dans le kickboxing. Je ne peux pas dire que c'était facile parce que je n'étais pas sûr de moi que je voulais gagner et tout. Donc, j'ai essayé de percer. Au fond de moi, j'étais déjà au fait... J'avais envie déjà de céder, mais vu que les coachs, les joueurs étaient là-bas, ils m'ont forcé, j'ai percé aussi. Il fallait que je puisse avoir ça. C'est la première fois que je participe à une compétition de kickboxing. Bien sûr, j'ai douté au début, j'ai même fait deux jours, je n'avais pas bien dormi. Mais arrivé sur le ring, l'adrénaline a monté et j'ai pu me défouler sans souci. Et voilà pourquoi j'ai fait un bon combat. Certains ont été battus par KO et d'autres battus au point au cours des différents rounds. Cela pour... Et ces combats qui se sont déroulés en nuitée a connu l'effervescence du grand public venu assister ces gladiateurs. Les athlètes s'expriment. Déjà, le kickboxing que nous présentons au pays est comme celui qu'on voit de partout. Alors, nous avons ressorti l'aspect physiologique, technique, juste, comme à l'international. Ça, c'est déjà très rassurant, avec le respect des règles. Parce que là, ils combattent en low kick. Effectivement, pour moi, la joie est grande du fait que nous sommes là à la fin quasiment de tous les matchs de la journée. Il y en a eu 10 pour préparer les demi-finales demain et la finale dimanche. Que beaucoup de réjouissance pour moi, je vais dire. Jamais vécu à Pointe-Noire. Vous savez que Pointe-Noire est toujours le modèle des événements primaires et d'autres événements. Mais disons que pour le kickboxing, la boxe avec poings et pieds, par rapport à l'association qui s'est faite aujourd'hui, il faut dire une félicitation pour l'association qui a pensé organiser cette première édition qui va se pérenniser au niveau de la République, Pointe-Noire, le département de Pointe-Noire, par le biais du préfet du département de Pointe-Noire, fait un modèle et que les autres départements vont suivre. Je pense que c'est l'occasion ou jamais. Il faut permettre que cette activité puisse permettre que au niveau des autres départements puisse continuer. Cette première édition vient ainsi lancer le kickboxing dans toute sa plénitude. À mi-chemin entre la boxe et le karaté, le kickboxing est un sport qui de nos jours attire les adeptes à l'exemple de ce gala de relance de ce sport pas très connu dans la ville de Pointe-Noire.